Ok, io ona akua, ona auma kua, e ho mai ka ike mai luna mai e, ho na mea huna no e au, ho na mele, e ho mai, e ho mai. E ho mai, e ho mai, ka ike mai luna mai e, ho nā mea huna no e au, ho nā mele, e ho mai, e ho mai, e ho mai, e ho mai, ka ike mai luna mai e, ho nā mea huna no e au. Ho nā mele, e ho mai, e ho mai, e ho mai, e, 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 e. Alors qu'une lumière venant d'en haut descend dans ce lieu, sentez votre propre lumière briller de l'intérieur vers l'extérieur. Sentez votre lumière imprégner cet endroit. Sentez la lumière de la déesse apporter la guérison, apporter la tendresse d'une mère pour les cœurs de tous ceux qui ont disparu ici et les nombreuses générations qui sont venues les honorer, tout comme nous les honorons. Mettez votre main sur votre cœur, s'il vous plaît. Et sentez cette lumière à l'intérieur. Sentez votre propre lumière. Sentez-la se déverser à travers vous dans ce lieu qui est sacré, dans ce lieu qui est devenu un lieu de pèlerinage, pas seulement une merveille géographique, mais un sanctuaire. Et sentez cela dans votre cœur étant votre propre sanctuaire, le lieu où votre propre lumière grandit, où vous pouvez revenir à maintes reprises pour sentir l'amour de Dieu et de la déesse à l'intérieur de vous, à tous les niveaux, mais provenant de cette lumière dans votre cœur. Salutations, mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Pour celles qui écoutent ou qui liront peut-être plus tard, le groupe se trouve en Crète, dans une caverne pour les hommes, où beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des offices ici, de la mythologie, de la tristesse, de la mort et des libérations. Il y a même eu des célébrations. Vous n'êtes pas le premier groupe à vous rendre dans cet endroit et à essayer d'effacer le chagrin qui a pu s'y produire. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est produite ici. À travers les âges, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée en célébration et même en prière. On pourrait dire que cette caverne représente vraiment l'ancienne nature humaine. D'une certaine manière, elle représente la recherche de Dieu. À d'autres égards, elle représente la lignée de sauvagerie que les humains ont eue envers les humains dans l'ancienne énergie. En sortant de cette caverne, je veux que vous regardiez en arrière et je veux que vous réalisiez quelque chose. Conquérir, tuer, se sacrifier, souffrir, pleurer et mourir. C'est l'ancien paradigme humain qui va disparaître de votre vie. Et lorsque vous regarderez la caverne, vous pourrez prendre le moment et sourire. En regardant l'histoire qui ne se répétera pas de la même façon. Vous suivez le cheminement d'un être humain qui a gradué. Avant de terminer cette courte canalisation, je dois vous dire qu'il y a tellement de questions sur la cache humaine. Ceci est une caverne. Nous vous avons dit que la cache humaine est très importante. L'enregistrement de ce que les humains ont traversé dans leur voyage d'évolution est si important
qui doit être stocké à plusieurs endroits. L'un d'eux est votre ADN. Un autre se trouve dans ce que nous appelons la caverne de la création. Cela ne ressemble pas à ça, mes chers, mais c'est une caverne. Et la troisième chose dont nous vous avons parlé et dont nous pouvons bientôt approfondir le message, est que votre akash est également conservé par les baleines de la planète. Trois endroits détiennent le registre de l'expérience humaine. Et vous pouvez vous demander pourquoi. Et maintenant, je vais vous le dire. C'est parce que c'est la seule et la plus récente planète de libre choix. Vos semences akashiques ne viennent pas seulement de cette planète. Vous portez les graines akashiques de la galaxie. Les semences de ceux qui vous ont ensemencé en premier sont avec vous. Leurs expériences sont en vous. Cela signifie très cher que les archives akashiques de cette planète sont les archives akashiques de la galaxie. Elles sont protégées et perdureront même si les humains ne survivent pas. Tant de fois, vous vous êtes presque détruits, et pourtant, l'enregistrement de ce que vous avez fait, de la façon dont vous vous êtes développés et de ce que vous avez appris est nécessaire à d'autres et sera nécessaire à d'autres. Voilà à quel point vous êtes spécial. Vous êtes extraordinaire. Je veux que vous y songiez. Vous pouvez changer tout cela, tout ce qui s'est passé ici. Repensez-y, car ce n'est pas ainsi que cela va évoluer. Et c'est ainsi.